Dans l'épisode précédent, Link récupéra le quatrième instrument sacré. Il a ainsi accompli la moitié de sa quête. Nous le retrouvons donc maintenant au cinquième donjon. Au cinquième donjon? Au cinquième donjon. Directement? Directement. Sans faire de quête annexe ou faire le trajet entre les deux donjons? Exactement. Ma question est certainement hors de propos, mais... pourquoi? Ben, si je me fie à la solution du jeu que j'ai sur moi, à ce moment du jeu, tu étais supposé récupérer les derniers coquillages pour avoir l'épée de niveau 2, en aidant un fantôme au passage. Seulement tu l'as récupéré dans l'épisode 7. L'épée, pas le fantôme. Ça devient de plus en plus n'importe quoi, cette saga. Ouais, alors on y va ou on reste ici à gober les mouches? On reste ici à gober les mouches. Je prends la rouge. Mais non, la rouge chez moi, ça va avec ma tunique. Toi, tu prends la bleue. Mais la bleue, c'est pour le joueur, hein. Je m'en fous, je prends la rouge, toi la bleue, et je joue quand même en premier. Vous le dites si je vous dérange. Bon, allume la mèche. J'ai pas le briquet, c'est toi qui l'as. Eh ben, fous dans ma poche. Hé, vous le dites si je vous dérange. Ok, je crois que je le tiens. Non, ça c'est ma... Pourquoi y a un bip de censure? Ouais, excusez-moi, c'est de ma faute. Je croyais que Link allait dire autre chose. N'importe quoi. Donc je disais, ça c'est ma bourse. Ah, c'est bon, je l'ai. Alors allume la mèche. Ça marche pas ton briquet. T'as pensé à remettre de l'essence dedans? Je sais plus. Ça vient peut-être de la pierre? Non, elle fait des étincelles. Bon, mais vous allez vous occuper de moi, oui ou merde? Ça y est, ça marche. Et c'est parti! Et c'est un strike! Link 1, sale fausse 0. Vous obtenez le grappin! Le grappin! C'est qui les navires à trois yeux? Je sais pas et j'ai pas envie de le savoir. On se casse! Plus tard. Si je ne les vois pas, ils n'existent pas. Si je ne les vois pas, ils n'existent pas. Pourquoi Colino est recroquevillé dans un coin de la pièce, emmitouflé dans une couverture, avec une bombe d'insecticide dans chaque main? Eh ben, en fait, dans la scène qui vient, tu vas devoir affronter deux gommas. Mâché! La prochaine fois que tu lances une vanne aussi pourrie, c'est une baffe dans ta face. Donc, je disais que dans la scène qui vient, tu vas devoir affronter deux gommas. Mâché! Ce sont des monstres arachnéens gigantesques. Et Colino fait de l'arachnophobie, d'où son état actuel. Si je ne les vois pas, ils n'existent pas! Mais oui, on a compris. Bon, le mieux pour sortir de cet état, c'est de se débarrasser de ces gommas. Mâché! Bon, Colino, file-moi ça. Hey. Ça commence à bien faire, ces blagues à la con. Ah, non, arrête, Link, pitié! Là, une bonne chose de faite. Et maintenant, au goma. Link, je crois que vu leur taille, tes bombes insecticides ne te seront d'aucun secours. T'inquiète, je gère. Bon, pendant que je m'occupe de ça, occupe-toi de débile et compagnie. Ok. Le problème ici, c'est de savoir qui est débile et qui est compagnie. Plus tard. Oh putain, c'était quoi ça? C'est la seconde explosion qui retentit en moins de 5 minutes. Voilà, c'est fait. C'est fou ce qu'on peut faire avec un briquet et deux bombes d'insecticides. Alors c'était toi le responsable de ces explosions? Ouais, j'ai même récupéré l'instrument sacré, un xylophone, ainsi que le réceptacle de cœur. Vous obtenez? Oh, tu merde, tu sais très bien ce que tu as obtenu. Par contre, le boss du donjon m'a dit quelque chose avant de mourir qui m'a intrigué. Il a dit... Pauvre imbécile, tu ne connais pas les véritables intentions dissimulées derrière tes actes. Seras-tu capable de supporter la vérité? Je me le demande. C'est-à-dire que... Link, le temps est venu pour moi de te mener en ce lieu. Plus tard. Entre là-dedans, Link, et les secrets de l'île Coquelino te seront révélés. Tu ne viens pas avec moi? Non. J'attends ici. Tu dois affronter cette épreuve seul. Ainsi, le moment est venu. Oui.
Et je me demande si je n'ai pas fait une erreur en l'emmenant ici. Il est encore trop tôt pour lui de connaître la vérité. Il aurait su tôt ou tard. Tu n'as rien à te reprocher, voilà. Moi, ce qui me préoccupe, c'est sa réaction. Que va-t-il faire avec un tel poids sur ses épaules? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Il revient. Félicie, dis-moi, ce que j'ai vu dans ces ruines, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? La suite au prochain épisode. Ah, le chameau!